Moi, je pense que l'initiative de l'UNESCO est une bonne initiative dans la mesure où elle contribue à l'épanouissement des mosquées. Il faut dire qu'il y a, c'est sûr, des problèmes internes qui affrontent certaines mosquées. Il y a certaines mosquées qui sont confrontées à des problèmes quotidiens, notamment le problème de factures d'eau, de factures d'électricité, et puis chose comme on appelle le salaire aussi des dirigeants de la mosquée. Je vais parler des guides religieux, les imams. Donc si tout cela peut être amélioré, prise en charge par l'UNESCO, je pense que ce serait le bienvenu. Vraiment, ça ne pourra que augmenter le plan d'épanouissement de nos guides religieux, ainsi que les fidèles aussi. Voilà, donc je pense que c'est une bonne initiative. C'est à saluer, c'est à féliciter. Ah, en tout cas, je trouve que l'initiative, c'est bienvenue. Et c'est une très bonne idée d'avoir pensé à nos mosquées, pouvoir les prendre aussi en charge. En tout cas, c'est très très bon, c'est une très bonne idée. Voilà, je les encourage, et puis bon, j'encourage toutes les mosquées où vous allez passer, que les gens y participent, parce que c'est très très bon. On n'avait pas encore vu ça. Bon, prendre déjà la mosquée en charge, c'est déjà une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de mosquées au jour d'aujourd'hui qui veulent faire beaucoup d'activités, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens. Mais si UNESCO vient en appui pour leur donner encore plus d'avantages, pour qu'ils puissent prendre beaucoup de choses en charge, je trouve cela très, très, une très bonne idée. Ben, je pense que l'initiative est très bienvenue parce que l'islam, c'est vrai, aujourd'hui connaît une expansion qui est admirable, qui est même à féliciter, pour ainsi dire. Et quand c'est comme ça, il va sans dire que les problèmes aussi sont multiples. Parce que plus il y a de gens, plus il y a de problèmes qui se posent. L'initiative est à saluer. Il faut trouver des gens appropriés, c'est-à-dire des gens aptes à collaborer avec les responsables de l'UNESCO de manière à propager les bienfaits qu'ils veulent nous apporter. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Des interlocuteurs fiables pour pouvoir discuter sainement avec l'UNESCO.